Avez-vous trouvé une brèche? Vous êtes un imbécile. Le général James Wolfe, un officier souffreteux mais très ambitieux, est résolu à prouver sa valeur sur le champ de bataille. Pendant 2 mois, il a attendu son heure. Son armée campe sur la rive qui fait face à la ville de Québec, une ville qu'il espère prendre en entraînant le marquis de Montcalm dans la bataille. Mais ce dernier refuse d'attaquer les Britanniques. Laissons Wolfe s'amuser là où il est. Si on le chasse, il ira certainement sur un terrain où il pourra nous infliger de gros dommages. Après 3 mois d'attente, Wolfe n'a toujours pas réussi à prendre la ville. S'il n'attaque pas Québec avant l'arrivée de l'hiver, il devra lever le siège et renoncer à une victoire cruciale dans cette guerre de 7 ans. Les Britanniques sont sur le point de chasser l'armée française du Canada. Ils contrôlent déjà le fleuve Saint-Laurent et la Nouvelle-France est coupée de l'Amérique du Nord. Ils pourraient bientôt s'emparer de l'ensemble du continent. Mais ils doivent d'abord prendre la grande place forte de l'ennemi, Québec. Cette ville s'avère cependant imprenable. Elle est protégée par de hautes falaises et entourée d'eau sur 2 côtés. Wolfe attaque une première fois par l'est. Près de 500 de ses hommes sont tués ou blessés lors de la bataille de Montmorency. Beaucoup d'excellents officiers ont été blessés lors de cette entreprise idiote, écrira-t-il. Ulcéré, Wolfe se déchaîne. J'ai choisi une autre tactique et j'ai fait raser la campagne. À la fois pour pousser le marquis de Montcalm à attaquer et pour venger les nombreuses insultes faites à notre peuple sur nos propres frontières. Wolfe ordonne à ses tuniques rouges de brûler les villages autour de Québec. 1400 habitations sont ainsi incendiées. Mais la capitale de la Nouvelle-France est loin de céder. Les forces britanniques bombardent Québec pour l'obliger à capituler. Les incendies qui embrasent la ville font partie des épisodes les plus atroces de cette guerre. En France, Louis XV considère l'Amérique du Nord comme un front parmi d'autres dans cette guerre mondiale qu'il oppose à la Grande-Bretagne. Au lieu de renforts, il envoie des encouragements à Montcalm. Sa Majesté compte entièrement sur votre zèle et votre compétence pour déterminer les meilleurs moyens de sauver le Canada. Wolfe est maintenant prêt à tout. Il souffre de la fièvre, tout comme ses soldats. À partir de la fin de l'été, un tiers de son armée est inapte au combat. Les Britanniques bombardent la ville depuis 6 semaines. Montcalm s'obstine pourtant à refuser le combat. Mon ennemi a eu la sagesse de ne pas quitter ses retranchements inaccessibles. Je ne peux pas l'atteindre sans faire couler une mer de sang. Et cela peut être en pure perte. Wolfe pense que sa mort est peut-être proche. Et il craint que cette absence de résultats ne ruine sa réputation. Finalement, en septembre, il porte son attention sur un sentier menant jusqu'aux plaines situées à l'ouest de Québec. Il ordonne à 4500 hommes d'escalader les falaises durant la nuit. L'opération prend moins de 5 heures. L'élément de surprise joue en leur faveur. À l'aube, les Britanniques se regroupent sur les plaines d'Abraham
au pied des remparts de la ville. Wolf utilise un nouveau type de formation. Ses hommes se déploient sur deux rangs, au lieu des trois traditionnels, pour couvrir toute la largeur des plaines. Montcalm sait que les Britanniques sont les soldats les plus disciplinés qui soient. Leur ligne semble cependant très clairsemée, et il se dit qu'une colonne suffira à les écraser. C'est une bataille typiquement européenne, qui dépendra de l'habileté et de la précision de l'infanterie de chaque camp. Mais à mesure que les Français avancent, leur rang se desserre, leur ligne s'affaiblit. Nous n'avions pas fait 200 pas, que l'aile gauche était déjà trop en arrière, et le centre trop en avant. Les Français commencent à ouvrir le feu avant même que l'ennemi soit à portée de tir. Les Britanniques ne bronchent pas. Chargez vos armes ! Vite, monte ! Wolf attend le tout dernier moment pour obtenir le maximum d'efficacité. La charge britannique est terrible. Un soldat de la Navy indiquera plus tard que la bataille n'a pas duré plus de 10 minutes. Décimés, les Français se replient à l'intérieur de la ville. 4 jours plus tard, ils se rendent. Durant la bataille, Wolf est atteint au poignet et à la poitrine. Quand on lui demande s'il a besoin d'un chirurgien, il répond « C'est inutile. C'est fini pour moi. » Wolf devient un héros dans tout l'Empire britannique et sa mort est mise en scène dans différentes toiles. Dans l'autre camp, Montcalm est touché à l'abdomen. La mise en scène de son décès est encore plus fantaisiste. Il n'est pas mort sur le champ de bataille, mais chez un chirurgien à Québec. Cette toile donne également la fausse impression que cette bataille est le point culminant et décisif de cette guerre. En vérité, ce n'était pas du tout le cas. Les combats sur le front américain de la guerre de 7 ans allaient encore durer 1 an. Le véritable tournant s'est produit lorsque les Indiens ont inversé l'équilibre des forces. En 1759, les Iroquois ont en effet pris une décision lourde de conséquences en renonçant à 50 ans de neutralité et en s'alliant aux Britanniques. À l'été 1760, la Grande-Bretagne s'apprête à prendre la dernière place forte de la Nouvelle-France, Montréal. Pour cela, ils devront affronter les puissants courants du fleuve Saint-Laurent. L'expédition est d'autant plus dangereuse qu'elle traversera un territoire contrôlé par les Mohawks canadiens, les alliés des Français. Les Indiens d'Amérique du Nord forment différentes nations, qui entretiennent des relations compliquées et souvent conflictuelles. Les Mohawks du Canada ont des allégeances différentes de celles des Mohawks de New York, qui font partie d'une grande confédération.
les 6 nations iroquoises. Ce sont ces Indiens qui sont aux côtés des Britanniques. Pendant que les Britanniques descendent le Saint-Laurent, les diplomates iroquois vont de village en village pour convaincre les Mohawks canadiens de rester neutres. Le succès de cette expédition repose sur leur intervention. Mais le général Jeffrey Amherst, le commandant britannique, n'éprouve que du mépris pour ces Iroquois. Amherst orchestre une impressionnante campagne. 3 armées convergent au même moment vers Montréal. Devant une telle force, les Français vont finalement se rendre sans combattre. Le 8 septembre 1760, la guerre en Amérique du Nord est terminée. Le chevalier de Bougainville est dépêché auprès du général Amherst. Général, je suis envoyé par le gouverneur général Vaudreuil avec l'instruction de vous proposer un armistice, jusqu'à ce que nous nous assurions qu'une paix a été conclue en Europe. Dites au gouverneur que je suis venu conquérir le Canada. Et je n'ai pas l'intention de repartir sans cela. Lorsque les Français apprennent qu'Amherst entend même leur refuser l'honneur de conserver les drapeaux de leur régiment, les officiers préfèrent brûler leurs couleurs plutôt que de les abandonner comme trophées aux mains des Britanniques. Après un siècle de commerce et d'alliance avec les Indiens, l'influence française en Amérique du Nord disparaît. Le conflit dans cette partie du monde est enfin terminé. Voltaire dira plus tard qu'en abandonnant le Canada, la France n'a perdu que quelques arpents de neige. Ces terres valent cependant bien plus que cela. Les possessions britanniques deviennent un empire continental de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Ce territoire présente en outre un énorme potentiel. Mais comme les Britanniques vont le découvrir, le fruit de cette conquête contient également les germes de la désintégration d'un empire.